Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors aujourd'hui, voyons rapidement quand utiliser I pour signifier moi et quand utiliser me pour signifier moi. Utiliser I si ça peut être potentiellement le sujet de la phrase et utiliser me si ça ne peut être que l'objet de la phrase. Premier exemple avec I. Qui a aidé ma sœur à faire ses valises? Oh, c'est Jérémy et moi. Ici, c'est who helped my sister pack her suitcase. Or it was Jeremy and I. On ne peut pas dire Jeremy and me ici parce qu'on peut dire Jeremy and I helped your sister pack her suitcase. Maintenant, est-ce que tu as envoyé l'email à Jeremy et moi? C'est did you send the email to Jeremy and me? Parce qu'on ne peut pas dire Jeremy and me sent the email. Ici, on est l'objet de la phrase. Never confuse I and me again. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.